switch principal. Si on le met en route, quand la lampe brûle, c'est parce que c'est le switch avant ou la lumière, la barre de lumière arrière. Tu vois, maintenant, tu peux plus couper. Alors, il faut encore une fois pousser sur le bouton start. Ça, c'est les angles. Tu le mets ici, fais confirmation. L'angle, ça change. Alors, ça, c'est coupé jusqu'au fond et ça retourne automatiquement. Et comme ça, c'est pour des petits bouts, quelque chose comme ça, tu peux lâcher, ça remonte. Quand il est sur cette position-là, que la lumière brûle, c'est pour régler les lames. Alors on peut aller en bas avec des petits coups et ça reste. La réglage des lames, ça on fait tout à l'heure. C'est ici, ça c'est pour l'épaisseur des tôles. Alors on a le 0, le 2, tout ce qu'il y a entre 0 et 2, tu prends là-bas. Le 3, le 4 et pour le 5 et le 6, c'est le maximum. Alors c'est juste comme ça, tu tournes et on le met comme ça. Ici on a le compteur, alors on peut aller arrière, avant, et si on veut aller lente, c'est le bouton au milieu. Comme ça. Il y a maar op 20 nu, op het niveau. Ça c'est le compteur des chutes, des coups. On le met comme ça sur 0. Les lames sont affûtées, ils sont réglés. C'est de 4 mm.